Oui, bonjour Gérard, c'est Willy à l'appareil. Salut. Comment vas-tu? Bah écoute, on fait avec, comment on peut. Oui. Moi je te téléphonais parce que je tenais à te remercier pour les livres que tu as déposés dans la boîte aux lettres. Ben oui. Mais j'ai commencé à découvrir la lumière de l'archange que j'avais zappé lorsqu'il était sorti. Et j'aurais voulu avoir quelques mots de ta part. Est-ce que ça peut être enregistré? Oui, bien sûr. D'accord. J'ai la voix un peu voilée, enfin, on fera avec. Mais comme nous tous, hein, pour le moment, c'est le confinement qui fait qu'on vit dans nos propres chaleurs. J'ai vu un petit peu, donc c'est un livre qui a été écrit donc, sur quelques années. Dans quel état d'esprit étais-tu à cette époque-là? Coopérant pendant 3 ans. Juste avant que je ne quitte en septembre 76, nous avons appris la survenue dans l'est du pays et pas loin de là au Soudan, dans 2 hôpitaux, d'une maladie inconnue, qui s'avéra plus tard être l'Ebola, mais on n'avait aucune idée à ce moment-là, qui avait tué tous les patients et tout le personnel de 2 hôpitaux. Mmh. Et puis cette maladie, bizarrement, a complètement disparu, alors qu'on s'attendait à une catastrophe au Zaïre. Moi, je suis parti à ce moment-là, j'ai suivi de loin. Elle est réapparue de temps en temps par des cas sporadiques, et puis elle a commencé à faire de temps en temps des petites épidémies de plus en plus amples, et puis elle redisparaissait chaque fois d'un drôle de truc. Et donc j'avais ça en tête, et je m'étais dit, ça c'est vraiment un thème de roman. Bon, entre-temps, j'avais écrit mon premier, j'avais publié, ça aurait été assez difficile de le publier, mais j'avais quand même eu le prix NCR. Et puis, j'étais bloqué dans un deuxième, que j'ai arrêté, que j'ai réécrit beaucoup plus tard. Et là, plus que moi, je me suis dit, mais j'ai ce thème-là, si je le traitais. Et on venait de passer des vacances dans la région... des Qatars, le sud-ouest de la France. Et je me suis dit, tiens, voilà des gens assez intéressants si je mélangeais les deux. Mm-hmm. Et de là est partie l'idée. Bon, mais moi, j'ai une idée de départ. J'écris la première phrase, et puis elle entraîne la seconde, et puis c'est la deuxième page, et puis le roman se construit au fur et à mesure. De temps en temps, je m'arrête, je restructure tout et je repars. Et à la fin, je fais des restructurations monstrueuses. Bon, je travaille des années, parfois sur un roman. Certains ont été écrits assez vite, mais mes grands romans, c'est des années d'écriture, souvent. Pour l'instant, j'en suis à ma 6e année d'écriture sur un long roman qui sera, j'espère, fini en fin d'année pour le premier. Donc voilà ce qui s'est... Mon idée, c'était donc de travailler et sur la notion d'un ancien monastère, des ruines d'un monastère cathare, et c'est un petit peu transformé par la suite, de travailler sur une épidémie en Afrique, et puis, comme j'avais été moi-même atteint par un virus, bon, moins grave, heureusement, pendant mon séjour, et si un médecin était atteint par ce virus? Et puis de là est parti, bon, un peu dans tous les sens, l'idée que ce virus transformerait le psychisme des gens qui en sont atteints, qui n'en sont pas morts, parce que la première phase du... Beaucoup de gens, ceux qui survivent, ont développé une transformation de leur psychisme. Et le fait qu'ils survivent est lié à quelque chose d'assez étonnant, qui est une espèce de conservation mentale de la naïveté d'enfance, je dirais, mm-hmm. pour faire gros. Alors, je vois, dès la sortie de l'ouvrage qui est édité donc, aux éditions Luce Wilquin, on peut voir que la presse mord évidemment à l'hameçon et que tu rencontres déjà à cette époque-là un succès réel. Mais ce qui est surprenant, c'est que maintenant... Je t'interromps. Oui. La presse a mordu à l'hameçon, pas toujours tout de suite.
Et je ne l'ai pas du tout rencontré en succès réel. Le livre s'est vendu à 200 exemplaires. Oui, mais bon, moi je trouve que c'est quand même un succès. Bon, nous n'oublions pas que nous sommes ici avec des petites éditions belges qui rament. Donc je pense que même 200 exemplaires, ça n'a pas été au pilon, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, mais dis-toi bien qu'à l'époque, donc en 1992, il y avait quand même encore un intérêt pour les petites maisons d'édition. Voilà. Il y avait à la RTB un arrive à faire. Il faisait chaque semaine une formidable émission, non pas sur les éditeurs belges, mais sur les auteurs belges. Oui. Ils ne s'occupaient pas du tout qu'ils soient chez Duswilkin, chez Galifrasseuil, chez Larbin Ficelle, chez n'importe qui. Hein? Et donc, elle était vraiment passionnée par l'intérêt du livre, et rien de plus. Il y avait aussi Jean-Paul Eck, qui faisait chaque semaine une émission d'une heure, rencontre, sur, pas toujours un écrivain, ça pouvait être n'importe quoi, mais si un livre lui parlait, il interviewait pendant une heure. C'est une interview fouillée, extra. Il disait le livre deux fois avant d'interviewer. Ça n'existe plus, tout ça. Non, non. L'RTBF ne s'occupe plus que des succès internationaux. La grande presse également. Et de plus en plus, les blogueurs aussi. Bon, tu fais exception, quelques-uns font exception, mais la plupart des blogs se contentent de copier ce qu'ils disent dans Le Monde ou dans... Alors, évidemment, nous arrivons maintenant à cette pandémie qui est là. Tu as le livre qui est toujours, qui est là, qui est existant, qui est épuisé. Tu te dis, je le ressors. Tu réagis très vite, tout compte fait. Pas vraiment, parce qu'en réalité, j'y pensais. J'avais déjà demandé à Luce Wilquin d'au moins le rééditer. Enfin bon, il n'était pas, il existe encore à une vingtaine d'exemplaires, il reste au pilon. Mais j'avais demandé de le rééditer en e-book, en livre numérique. Oui. Ça ne l'a jamais fait. D'accord. J'étais un peu bloqué, j'étais un peu triste. Enfin bon, c'était ça sur son choix. Mais Duswilkin a disparu du paysage et nous avons récupéré nos droits. D'accord. Ça fait déjà un an au moins, je ne sais plus très bien quoi, ça fait plus d'un an. Et depuis ce moment-là, je me dis, bon, je vais envisager de rééditer des livres. J'ai récupéré les droits de tous les livres, que ce soit chez Duswilkin, que ce soit à la longue vue. Je pensais d'abord rééditer mon premier roman qui avait eu le prix NCR. Donc l'arbre blanc dans la forêt noire, et on me le demandait. Mais est arrivée la pandémie, je dis, merde, non, là je vais d'abord sortir celui-là, c'est quand même plus normal. Voilà, et bien bon, le but de l'entretien que j'ai ici avec toi, c'est évidemment, tu connais un petit peu la façon dont nous procédons, chacun c'est de faire fonctionner le tam-tam. Bon, l'entretien que je viens d'avoir avec toi nous permettra évidemment de créer un petit clip qui va un petit peu mettre en lumière cette lumière de l'archange signée par Gérard Adam. Et je trouvais l'opportunité, plutôt que de faire un clip comme je fais habituellement, de prendre contact avec toi et d'avoir de vive voix un petit peu cette réaction et l'histoire de l'ouvrage, quoi. Voilà, je te remercie beaucoup, Gérard. Sois prudent avec toi. Et... Il est probable que j'ai été contaminé à la foire du livre, comme Jean-Louis Masson et comme quelques autres. Voilà, voilà. Je n'en ai pas la preuve, comme je sais, ça me plaît tellement modéré que je ne me suis pas fait tester. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir, Gérard. À bientôt.